Lali-ho-ho-kali YouTube, bienvenue sur Plava Station. Aujourd'hui, on parle du Pictomancien niveau 100. On a découvert le job et son leveling jusqu'au niveau 90. On a vu que, mis à part un gros trou dans le leveling niveau 40-50, le job se déployait quand même plutôt pas mal. Il y a beaucoup de petites subtilités sur le job, dont certaines qui arrivent entre le niveau 90 et le niveau 100. Donc n'hésitez pas, comme les meilleurs et les plus soyeux là-bas, à venir me voir en live directement le mardi après-midi. On est sur FF14, on parle du jeu, on répond aux questions. Donc on parle des jobs, n'hésitez pas à passer. Les liens sont dans la description, ainsi que ceux du Twitter et du Discord. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous plaît, quel job vous voulez voir ensuite. Faites mousser un peu votre job préféré dans les commentaires, ça me permettra de choisir l'ordre plus facilement et ça me permettra aussi d'avoir un meilleur algorithme sur YouTube, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, abonner, partager, c'est très important aussi pour l'algorithme. Du coup, on se lance cette vidéo sur le Pictomancien niveau 100, on gardera l'optimisation avec des petites surprises plus tard. C'est parti. Ok, Picto niveau 100. Picto niveau 100, sur le leveling du niveau 100, on a beaucoup de choses. Genre, on a vraiment beaucoup de choses. On a 92, permet de recevoir goutte arc-en-ciel améliorée lorsque vous consommez tous vos degrés d'installation. Ça veut dire que sur votre imagiciel ici, sur votre imagiciel, une fois que vous avez consommé vos 5 degrés, vous pourrez utiliser goutte arc-en-ciel. Goutte arc-en-ciel, c'est un sort de 1000 de potentie que vous recevez au niveau 92, qui a 4 secondes de lancement, 6 secondes de temps de recharge. Qui est de la AOE aussi, hein, parce que why not? Réduite de 85% au-delà du premier ennemi touché. Et ça vous octroie une peinture blanche directement quand vous l'utilisez. C'est-à-dire que si vous castez, ne faites pas ça. Hormis l'opener, ça vous le faites pas. Bon, déjà le sort est excessivement soyeux. D'accord? Mais ça vous donne instantanément un stack de miracles en blanc. Ça veut dire que maintenant, quand vous faites votre imagiciel ici, et que vous utilisez les 5 stacks d'installation, donc la vitesse de cast, hein, voilà, vous avez accès du coup à votre goutte arc-en-ciel instantanée. Et qui aussi a un temps de recharge réduit, hein, parce que du coup, sinon vous taperiez 6 secondes de temps de recharge, ça ferait un peu mal aux fesses, mais là c'est pas le cas. On a vu aussi que vous débloquez le sort prisme d'étoile, mais ça c'est plus tard, on y reviendra. On débloque également du coup en trait. Il y a beaucoup de traits, hein. Donc la magie prompte améliorée qui passe à 40 secondes. On a les actions améliorées ou quelles actions du Pictomancien voulez-vous améliorer? Oui. Là il y a tout, c'est full bundle. On a niveau 96, on passe le nombre de charges de imagie animale à 3. Ce qui est très cool parce que ça vous permet de être plus libre sur votre, votre synchro. Ça vous permet de moins drift, donc de moins décaler vos CD au fur et à mesure du combat aussi. Mais ça vous débloque aussi Pictogriffe, Pictocro sur votre Picto animal. Pictogriffe et Pictocro, ça va être la suite du Picto Pompon et du Picto L, tout simplement. Ça veut dire qu'après le Picto Pompon et le Picto L, qui nous débloquaient deux petites images et le Mog, maintenant vous aurez Imagigriffe et Imagicro, enfin Pictogriffe, Pictocro, d'accord, qui font 1100 de potency, comme le Pompon et l'autre, je vérifie. Ouais, donc même potency que Imagi Pompon et Imagi L, mais qui vous débloque d'autres symboles qui vous permet d'utiliser un autre finisher qui est la rétribution de Martim, qui est lui par contre à 1400 de potency. Donc du coup, on a des nouveaux signes qui vont apparaître sur notre jauge. Donc là, on a le pompon. Après le pompon, on va avoir les ailes qui nous permettront d'utiliser le Mog. Après les ailes, on a les griffes. Vous remarquez que si j'utilise ici, je ne perds pas le Mog. D'accord? Et après les griffes, on a les crocs. Donc une fois que vous avez utilisé votre Magnum Opus ici, vous perdez le Mog. Et quand vous avez le full bundle des 3 signes ici et que vous refaites un Imagicro, vous allez débloquer Martim. Donc ça change pas conceptuellement ce que vous faisiez à peu près sur votre Picto jusque là. D'accord, là vous avez Martim, rétribution de Martim, 1400 de potency. Donc c'est ça que vous voulez essayer de mettre dans vos bursts, même si bon des fois c'est un peu compliqué, on parlera de ça dans l'optimisation. Donc du coup vous avez un nouvel outil pour faire du boom boom. Ce qui change pas concrètement, ce qui ne changeait pas exactement ce que vous faites, mais voilà. Alors après oui, les potencies font rire parce que effectivement tu vois du 1400, du 1100, mais faut pas oublier que derrière ces potencies il y a 3 secondes de casse où tu fais rien et il y a des CD quoi. Il y a 3 secondes de casse à chaque fois, 4 secondes de recharge et surtout il y a 40 secondes fois 4. Ici il y a 2 minutes, ici il y a 1 minute quoi. Faut pas oublier ça. Mais bon, ça reste très très fort, hein. Ça reste turbo fort. Donc niveau 98, on a l'embrouillement amélioré jusque là, voilà. Et au niveau 100, nous avons le prisme. Donc nouveau sort, prisme d'étoile qui se débloque quand vous utilisez Imagiciel. Ça vous octroie prisme d'étoile préparé, ce qui vous permet d'utiliser le prisme d'étoile. 1400 de potency, c'est un sort instantané AOE. Réduit de 60% au-delà du premier heavy touché, qui restaure les PV des équipiers dans un rayon de 30 yalms autour de la cible pour une puissance de 400. Ce qui fait que vous avez un petit heal en plus hein, de faire 1400 de potency. Donc si l'installation est activée et que vous tenez dans la limite du ciel, pas un magiciel, consomme 1 degré évidemment. Donc vous consommez des degrés d'imagiciel avec votre prisme d'étoile. C'est pas assez. Donc du coup ce qui nous donne un opener... ressemble un peu à ça. Voilà, un opener qui ressemble à ça. Comme vous voyez, c'est un opener qui fait penser un peu à ceux des autres jobs. Si vous avez joué un peu le samouraï récemment, vous voyez qu'en fait l'opener dépasse allègrement des 20 secondes des autres jobs. Donc c'est pour ça que vous essayez de mettre le plus de potency dans le burst et que vous setupez à la fin. Pourquoi vous setupez à la fin? Parce que généralement dans ces openers, il y a aussi la potion que vous devez prendre en compte tout simplement. Le reste du temps, eh bien vous stackez. Vous stackez tout simplement, vous essayez d'utiliser vos stacks, vous essayez de peindre pour être prêt à temps, pas comme moi là, pour ne pas drifter vos utilisations, parce que là du coup sinon vous allez drifter, là par exemple votre arme, vous allez drifter. Et maintenant le but du jeu sur le Picto, ce qui est le plus compliqué en vrai, ce qui est le plus compliqué, c'est de pré-shot ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est un truc très bizarre, c'est parce que pendant le combat, vous allez vous retrouver à faire ça. Ou à faire ça, hein, pour gagner de la mobilité. D'accord? Pour préparer, en fait, votre prochaine phase de burst qui va arriver. Donc généralement, vous allez vous retrouver à overcap aussi, vos miracles en blanc, parce que vous n'en avez pas spécifiquement besoin. C'est débile. En fait, le jeu est très satisfaisant à jouer. C'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, toutes ces phases où vous devez vous setup, etc. Ça demande beaucoup de compréhension du jeu en général, je trouve. Parce que vous avez des aptitudes à préparer à l'avance. Donc, vous devez être conscient qu'il ne faut pas drift des choses. Vous avez des jauges à gérer. Donc, vous devez être conscient qu'il faut gérer les trucs. Vous avez une jauge ici qu'il faut préparer à l'avance pour ne pas se retrouver dans la sauce. En fait, il y a énormément de choses à gérer sur le job. Je trouve ça plutôt satisfaisant à jouer, au final. Donc ouais, le but du jeu, ça va être de surtout pas overcap. Enfin, de pas overcap. Ça va être de faire attention à cet overcap ici. il y a des choses dont on va parler dans l'optimisation. Dites-vous que dans un premier temps, c'est pas trop grave si vous overcapez cette chose de miracle en blanc là. Le plus important, c'est de surtout pas overcap du coup votre palette soustractive. Et de bien pré-shot ce dont vous avez besoin pour vos phases de burst dans les phases creuses ou lors de phases de déplacement avec une prompte pour pouvoir vous déplacer tranquillement. Donc c'est à vous de trouver en fait les timings. Et ça que je trouve très intéressant sur le job, c'est que vous devez trouver les timings pour préparer les phases de burst. Ça justifie le 1400 de potentiel par moment, c'est pour compenser le moment où tu fais rien. C'est exactement ça. C'est ça que beaucoup de gens mésestiment sur le Picto, c'est qu'il y a plein de moments en fait où tu ressens, moi je ressens plus le fait que ce soit un caster que sur un mage noir. Parce qu'il y a plein de moments où tu ne peux pas bouger du tout. Alors oui, effectivement, quand tu commences à regarder, tu dis regardez, je peux faire ça et tout, mais ça c'est pas opti en fait. Là tu dis c'est pas un caster, oui effectivement. Quand tu regardes les phases de burst du Picto, bah, t'as pas l'impression que ce soit un caster parce que y a beaucoup d'instants. Cependant ça là, ce lock sur 3 secondes de cast, tu fais pas ça n'importe comment. Tu fais pas ça n'importe comment. Et du coup, ça demande... Le Picto, ça demande quoi, concrètement? Ça demande de l'anticipation. C'est un job qui demande beaucoup d'anticipation parce que dès que vous allez appuyer sur votre palette soustractive, vous allez être lock sur des casts à 3 secondes. Donc, ça déjà, il faut y faire très attention. Ça demande du setup, pourquoi? Parce qu'il faut préparer vos peintures avant le burst, parce que sinon bah, vous servez à rien. Là c'est pareil, tu vois, je peux faire ça, c'est rigolo. Alors oui, c'est très soyeux, hein, tout ce que tu veux, mais si tu setup pas comme il faut, bah, tu vois, tu sors du burst. Hein. Du coup, célérité important pour le Picto. 0 scellé. 0 scellé alors. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que le Picto, en soi, c'est pas comme un mage noir où ta célérité va vraiment te servir. Parce que tes temps de cast sont toujours plus courts que ton temps de recharge. C'est pour ça que je disais, le Picto, c'est un peu comme un heal où, vu que tes temps de cast sont toujours plus courts, tu vois, que tes temps de recharge, ton ressenti est différent. Mais ouais, donc voilà, ce qui est très intéressant sur Picto par contre, c'est que tu peux toujours weave quelque chose. Et heureusement, parce que sinon tu pourrais pas jouer le job. Hein. Typiquement ta palette, tu pourrais pas l'utiliser. Et même sur tes sorts longs ici, tu vois, et bah tu peux quand même weave des trucs. Tu vois, là tu sais qu'il y a une AOE qui arrive. Bah tu peux quand même weave ta Miti. Donc en fait ça donne un feeling un peu comme un heal et un peu comme un sage en termes de rythme. Parce que le rythme entre les sorts courts, sorts longs et du weaving au milieu, ça donne pas mal de possibilités. Donc le Picto, voilà, c'est un job qui demande beaucoup de setup. C'est un job qui vous demande de connaître comment fonctionne FF14. C'est un job qui vous demande d'avoir des notions de ce qu'est bah, le drift, donc de décaler ses CD. Ça vous demande d'avoir une notion de gestion de jauge, autant pour la jauge de miracle ici que pour la jauge de Picto animal là-haut. Mais c'est un job vraiment que je trouve intéressant à jouer. En fait, le feeling du Picto est très satisfaisant parce que vous avez des phases creuses, oui, où vous avez vraiment l'impression d'être un gros mage bien lourd, et vous avez les phases de burst où c'est full zinzin. Donc voilà, on a fait le tour globalement de ce que propose le Picto. Je vais faire un exemple d'opener. En termes de bis, tout ça, vous aurez ça dans la description. On parlera de l'optimisation vraiment du Picto. Là, on voulait vraiment parler du niveau 100 et de comment avoir une base pour jouer le Picto. Vous avez une base, vous savez que il faut préparer vos bursts tout le temps, à l'avance. Comment faire votre burst, vous le savez maintenant. Vous savez les priorités, du coup la palette soustractive, ça on l'a vu pendant le burst. Hein. Donc votre palette soustractive, les miracles en blanc sont un peu secondaires. Maintenir vos phases de burst alignées avec vos marteaux, vos Picto animal et votre magiciel. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous avez appris des petits trucs juste pour savoir comment se joue le job au niveau 100, à me dire quel job vous voulez voir ensuite sur YouTube, likez, partagez, commentez, ça aide énormément pour l'algorithme, à venir me voir en live aussi, hein, comme les meilleurs soyeux là-bas, soyeux et soyeuses, qui sont directement en live, vous pouvez ne rien rater de la chaîne sur Twitter et sur le Discord, évidemment. Donc sur ce, je vous fais la bise du regard, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, des bisous, ciao.